Hop là, et bonsoir à tous, bienvenue sur le stream. Alors, on prend ce soir la découverte de Destined. Alors, Destined, qu'est-ce que c'est? C'est un twin stick shooter roguelike, hein, sorti il y a déjà 2 ans maintenant. Il est sorti en octobre 2015. Et pour être franc, je me rappelle plus pourquoi j'y ai pas joué à l'époque. Alors, je pense que je devais sûrement attendre une clé, à mon avis, pour Gamesize Story, on a peut-être pas reçu la clé. Je sais plus du tout. Parce que le truc, c'est que je voulais y jouer, typiquement ce genre de jeu que j'aime bien, donc du twin stick, avec des gros pixels colorés, etc. Et ouais, je sais pas. Je sais pas du tout. Toujours est-il que maintenant j'ai une clé, donc bah, je me suis dit qu'un serait la bonne occasion de le tester. Je vais en profiter aussi pour parler vite fait de la semaine, donc ce soir Destet, demain soir, donc vers 22 h. Yodris. Le site de ce jeu est génial? Ok, bon, on verra. Donc demain vers 22 h, découverte de Sam. Donc pareil, Sam, c'est un jeu qui est sorti un petit bout de temps maintenant, mais que j'ai jamais eu l'occasion de faire, donc voilà. Et jeudi, pour l'instant, j'ai mis Warframe, mais il y aura peut-être la sortie en Early Access de Powerumi. Donc si c'est le cas, bah, je ferai une petite soirée là-dessus. Voilà. Et sinon, de son, quoi qu'il arrive, Warframe, j'en ferai tout samedi après-midi. Donc peut-être que d'ici là, les plaines seront réparées, parce que pour l'instant, elles sont bien pétées dans tous les sens. Hey Zou. Alors, play option graphique. Ouais, bah graphique c'est bon, je pense. Hein. On va pas s'embêter. Hop, option, y'a quoi? Nanana, music, mouse move, tatata, ta, contrast bullet. Ouais. Si, peut-être ZQSD, parce qu'à mon avis, voilà. Hop, ZQSD, ability avec A par exemple. C'est quoi? C'est E? Ability, potion. Stop firing, stop moving, ouais. Ça m'a l'air pas mal ça. Hop. Et du coup, tu as déjà joué toi, Doris, au jeu? D'ailleurs, tu pourras me dire si on entend assez la musique. Ouais, Afrique CV, Blazor, Lindbergh, One Missing, j'aime c'est Miss Katanik, Kinastic Campus. Ok. Destate. Ok, donc on joue qui? On joue Georgette en fait. Alors, d'accord, donc effectivement on joue Georgette. Yep, on m'a forcé à jouer au plein lors de la sortie, on a joué 1 heure, bug par semaine de bugs, encore d'autres bugs, j'ai dit ok dans quelques mois. Bah en fait ouais, j'ai voulu y jouer à... Ben, j'ai voulu jouer vendredi soir, donc c'était même pas vraiment pour la sortie, hein, vu qu'il est sorti dans la nuit de jeudi à vendredi. Bon, vendredi soir c'était tout pété de partout, et les gens auraient essayé tout à l'heure. Enfin, en fait, le problème c'est qu'ils ont fait plein de hotfix, mais les hotfix en gros ils corrigent autant de trucs qu'ils en pètent, quoi. Donc c'est un peu relou, quoi. Donc là par exemple, j'ai des bounties qui s'arrêtent d'un coup. Hop, les bounties elles s'arrêtent donc t'as pas de récompense. C'est vraiment relou, quoi. Donc j'espère qu'ils vont réussir à corriger pas mal de trucs, quoi, parce que. Ah mais attends, mais du coup en fait ça se joue pas à la souris. Je crois que ça se joue à clavier souris, mais en fait c'est que clavier. Ah ouais, ça se joue complètement pas. On peut pas jouer à clavier souris? Alors. D'accord. Ah bah ça. Ok, très bien. Bon. Et pour tirer, c'est quoi? Et en fait, du coup, c'est quoi? Ça va tirer en... Ça va tirer en permanence, en fait. Ok, bon, le vestiaire évidemment, j'ai rien pour l'instant. Bon, les items c'est pareil, hein, on a encore rien vu non plus, donc bon. Tous les trucs là, ça a rien, donc ça c'est l'espèce de hub central hein, qui sert d'encyclopédie.
Ok, donc traveling, ok. Ah non, mais d'accord. Ça tire automatiquement sur les cibles les plus proches. Bizarre. C'est la première fois que je vois un shoot qui tire automatiquement, quoi. Bah, du coup, je vais peut-être jouer plutôt à la manette, alors que ça me ferait bizarre là de. Je sais pas ce que c'est la barre bleue qui se remplit en bas à gauche. Là. Ah mais si, c'est mon... Non. J'allais dire c'est mon pouvoir spécial, mais même pas en fait. Donc là, la barre elle est remplie. Ouais, j'ai monté le son. Ouais. C'est pour ça que je te demandais ce que ça donnait quoi. C'est clair que là ça me paraissait un peu léger. Mais par contre, j'ai peut-être essayé de jouer à la manette en fait. Un instant, left stick. Donc on se déplace avec le stick de gauche, on esquive avec le stick de droite. Abilities avec X. Potion avec B. Alors là c'est quoi? C'est mon bonhomme avec... ouais c'est l'inventaire. 3 HP, 50 MP. Ah c'est mes points de magie en fait, d'accord. Ah oui, c'est en fait, ok. D'accord. En gros il y a un cooldown sur mon sort, mais surtout ça me prend des points de magie en fait. Ok, les points de magie tu les regagnes en tapant les gens. Bah là on entend mieux non? Bah dis-moi ce que t'en penses si on entend mieux ou si c'est encore trop léger. Ah cool, j'ai chopé un objet. Du coup j'ai chopé un objet qui tire en même temps que moi alors. King Yellow, acte 1 et 2, faire un truc tafieux, d'accord. Cool. Mais par contre, du coup, ouais, si, aïe.
Je sais pas combien il reste de monstres en fait, c'est assez bizarre. Ah mais il en reste ici en fait, d'accord. Et là il y a le portail qui est ouvert, ok. Ok, donc là je suis au deuxième niveau du truc là, d'accord, layer 2, ouais, ok. Mais c'est vraiment perturbant quand même de pas diriger les tirs en fait. Bah, j'ai l'impression que le book était complètement pété comme objet. Hein. On verra par la suite ce qu'on peut choper comme objet, mais... Attends, c'est quoi ça? Perform a writ of sanctification? D'accord, je viens de réveiller une bestiole apparemment. Bah attends, sinon je peux... Plus 0,25 en dégâts. D'accord, après t'as des trucs qui vont sur certains flats en fait. D'accord, t'as la tête, t'as le torse et les parties génitales peut-être? Portail de sortie qui est déjà ouvert, mais... J'ai pas tiré qui chez des gens, hein. Hier qu'il était à 50, c'était bien, ok. Attends. Merde, attends, j'ai remis... Ouais, tiens, c'est bon. Donc là, c'est par là que j'étais arrivé. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Your bullet are strange. Hein. Donc là, j'ai une potion, on sait pas ce qu'elle fait. Et puis une perspective. Ah merde, d'accord, du coup, avec cette potion-là, je vois plus rien, quoi. Oh, j'espère qu'elle dure pas trop longtemps, la potion, parce que... Ok, c'est bon. La vie du sable, ok. Alors, c'est quoi? C'est le boss au niveau 3 ou y'a quoi? J'ai l'impression que les objets que j'ai eus ils sont super forts en fait. Après, je connais pas le jeu, hein. Peut-être que tous les les objets sont forts. Hein, mais... Merde, c'est moins bien ça. Alors, move speed plus 15, merde. Ah, je peux pas les virer ça. Zut.
me déplace plus vite, mais j'ai une moins bonne cadence de tir. Hein. Bon, après, tu me diras, cadence de tir était pété, donc c'est bien grave. Hein. Allez. Il y a plein de coffres par ici. Merde. Alors, damage plus 0,5. Ah, mais c'est à la place de l'autre par contre. Merde. Alors, dégâts quoi? Dégâts plus 0,5, avoir une pack full, faire une place, deal extra damage. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore vu de marchand ou des trucs comme ça, on pourrait dépenser la thune qu'elle récupère. Ouais, du coup, j'étais parti en me disant qu'on allait avoir un build complètement pété et tout, mais finalement, pas tant que ça, parce que les objets ils se cumulent pas. Il y a vraiment un. Il y a un nombre de slots maximum, quoi. Ah, mais on peut mettre deux trucs à la tête, hein. Okay. C'est finalement, on a que 3 slots d'objets et 3 slots d'organes, quoi. Il est très puissant comparé au mob, mais vu les plus doués qu'on voit déjà, je pense que le jeu va. Ouais, bah c'est ça, ouais. Et après là finalement t'es puissant mais comme je disais à l'instant hein, tu as t'es puissant mais t'es capé en fait quoi, tu peux pas non plus Ah le boss. Bon, c'est là, le premier boss, il était pas foufou. Ah, il fait quoi ce fait de damage? Ah, mais du coup, on peut en mettre deux ici par contre. Attends, c'est quoi ça? Ouais. Pour voir l'autre, on fait comment? Next UI, c'est Ray Bumper. Bah ouais, mais pourquoi Ray Bumper, c'est bien ça? Attends, on peut utiliser les reliques. C'est quoi le Y? Ah, mais j'ai pas de reliques encore, je pense, si. Non, je pense pas.
Bon bref, peu importe. Bon voilà. Vous avez que stronger, better, ok. Ok, deuxième monde. Ah, j'ai tenté un dash, j'aurais pas dû. Plaque damage plus 30%. Ah non, mais en fait, du coup, on peut en mettre plein des organes quand même. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Ok, il y aurait de 6 lives. Merde, ouais. Les effets des potions, ils sont bien bien tripés quoi. C'est quoi celle-là? Faire plaque belette, faire une burst, deal extra damage. Voilà, et du coup, enfin, c'est mieux ou pas quoi. Moi, j'aimais bien les haches. Les haches, c'est cool. Ouais, je pense vraiment pas que j'hésite à péter mon pouvoir spécial en fait. Et finalement, il s'en recharge super vite, hein, donc. Aïe. J'ai pas l'impression que ça balade comme ça là. Faut que je replace. Alors Gumball, 50, ça me coûte 50$. Hein. Et j'ai 270. Ah merde, d'accord, c'est juste... D'accord, en fait, ok. J'avais une chance sur 3 d'avoir un truc intéressant, en fait, quoi. Enfin, même pas forcément un truc intéressant, une chance sur 3 d'avoir un objet, en fait, tout simplement. D'où le Gumball, en fait. Hein. Et sinon, ça teste un petit peu les plaines quand même, Bruce, ou pas? Non, juste juste pour voir que c'est bugué. Merde. Et franchement, c'est cool hein, quand même. Non, toi, ça balade contre elle pas du tout. Ah, mais c'est les portes. Là. Oh, c'est juste qu'ils divisent en petits blobs. Okay. Purée.
Il manque encore un point de vie complet en fait là. Au début, je trouvais que le jeu il achetait plein de points de vie, mais finalement, pas trop quoi. Descendre de recommencer plusieurs fois les missions, sans jamais pour les finir et de commencer la quête pour la nouvelle frame. Ah non, pardon, elle s'est jamais lancée déjà avec. D'accord. Ah, c'est vrai quand même, la quête, je l'ai finie quand même. Surtout qu'elle est pas très longue en fait, mais effectivement, oui, ça buguait. C'est quoi celle-là? Bah c'est le même. Ouais, sur full balade. Ah non, je préfère celui-là. Ah merde, je regardais pas. Oh, damage plus 10%, c'est bon ça. Ah, donc effectivement, les organes, ouais, ils se cumulent quoi, c'est. Après, du coup, j'imagine d'avoir des reliques avec des effets actifs en fait. Après, en même temps, j'ai dit plus 10%, j'étais content, mais ça se trouve, les flat dégâts, c'est plus fort pour l'instant, quoi. Ce dégâts de plus 10%, ce genre de truc, c'est fort quand t'as déjà une grosse base, quoi. Si en ce moment, je tape à 5, par exemple, avoir plus 10%, c'est moins bien qu'avoir plus 1, quoi. Les Darkness Closing of this room, les quickly. Ah merde, d'accord, maintenant il y aura une sorte de timer. Ouah! Ah ouais, ça m'a. C'est par où déjà la fin? Je sais plus. Ah, ça m'a défoncé. Ah ouais, du coup, en fait, t'as vraiment pas le temps de te. T'as vraiment pas le temps de te reposer en fait, quand même. Suite 10%, cool. Merde. Donc elle a bugué parce que j'étais en escouade avec SNL le premier jour, là, j'ai tapé dedans, le coup. D'accord, ouais. C'est ça que j'ai quitté, donc on va la mise à jour pour moi, c'est dissolu, je peux regarder. Ouais, tout ce qui regarde, c'est ce stack, ouais, tout à fait. Donc finalement aussi à moins d'être complètement pété quoi. C'est juste qu'on n'est pas pété à cause des reliques, qu'on est pété à cause de tous les autres bonus en fait. Et là effectivement je commence à avoir pas mal de trucs quoi.
Et ouais, en plus, ouais, la quête de nouvelle frame, t'es obligé de la faire, sinon tu peux pas. Je crois que non, t'as pas l'arme d'opérateur en fait pour aller savater les bestioles la nuit dans les plaines, quoi. Ah voilà, et ça voilà, ça c'en active ça. Code explosion, bring pain, 40 MP. Merde. Oh non, mais non, mais non. Oh là là. Oh, c'est échec critique. Max HP plus 1, ouais, mais j'aurais préféré qu'ils me mettent des HP directement là. Elle est cool cette relique. Par contre, vu que j'ai plus qu'un HP, je vois tout en noir et blanc. Possible, je m'inquiéterai tout ça le jour où il y aura une mouette. Je sais pas si c'est la grande onde qui passe sur le terrain, mais j'aime bien. Je pense que c'est juste propre à ce niveau-là en fait. Oh merde! Mais je suis déjà au boss, hein. Damage plus 10%, bah très bien. Très bien, très bien. Je prends. Flood of Fire, Toxic Light, ok. Allez, troisième monde, c'est parti. Merde, c'était quoi cette bestiole? Sans pour vrai, hein. Voilà, trop cher. Hein. C'est un peu complètement la guerre là.
Elles sont super reloues ces chauves-souris qui te suivent. Merde. Merde. Oh là là. Je suis tellement pas bien là. Bah, du coup, c'était les points de vie. C'est quoi celui-là? Ça lance des missiles, c'est ça? Ouais, mais il y avait un, c'était ma grosse vache, ça. Ouais. Et oh, le crime! C'est chargé, ouais. Bah, surtout que j'ai déjà un petit peu avancé dans le jeu, donc là on arrive au troisième monde. Hein. Mais il était là le portail, je l'ai même pas vu tout à l'heure. Ah, le nouveau Humble Bundle est complètement pété quoi. Bah après c'est mal, j'ai comme d'hab, il y a encore plein de jeux que j'ai déjà, mais ouais, il est vraiment cool. Hein. Je pense faire un petit tweet demain à propos de ça d'ailleurs. Les effets à l'écran, ils sont pas les clés de la cuillère quand même. Je crois que la fin est proche là quand même. Et je crois quand même que là, les petites chauves-souris, elles ont sans problème chopé le.
le trophée du monstre le plus relou du jeu, quoi. Rien ça. Ah, c'est quoi ça? Greater Strength, Flow of Sword Bloods, ok. Ouais, c'est quoi ça? Zero Strength 15, Fair Plague de Belette, la 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 la. Ouais, ça va bien ça. Et du coup, quand ils disent follower absorbe damage, ça veut dire que mon bouquin et ma statue, elles absorbent les dégâts, je pense. À mon avis, hein. Ah, mais plaque damage, en fait, ça va être sûrement des dégâts de mort, en fait. Enfin, les. Ça part en étoile quand ça explose, quoi. Aïe. Luck plus 1%, faire damage 20%. C'est bon, je pense pas que j'ai fait damage jusqu'à présent. Charger ma visée automatique, ouais, exact. J'ai enfin tâté End of Fate, ouais. En fait, tu comptes stream un jour, Armello? Il faudrait. Merde! Ça serait cool. Mais oui, en tout cas, ouais, c'est plus ou moins prévu, quoi, on va dire. MP Regen. Ah merde, moins de chance. Max HP plus 1, ouais bah ouais, max HP c'est bien rigolo, mais peut-être je me soigne avant d'avoir de max HP là. Après t'es très gentil de mettre des max HP hein, mais. Mais là pour l'instant ça ne sert à rien quoi. Le jeu était cool avec moi quoi. Il m'a refilé la blinde de points de vie. Hein. J'allais mourir, il m'a refilé 2 points de vie complets en 5 secondes. Hein.
Carmelo brise des amitiés, il me semble. Ah, je sais pas. C'est pour ça que tu demandais le crime, c'était pour faire une partie en multi? Bah, en vrai, ça pourrait être cool de programmer une soirée multi sur un mélo s'il y a moyen, quoi. Surtout que là, j'imagine qu'avec le Humble Bundle, il y a pas mal de monde qui l'aura, donc ça peut être sympa. Hein. Après, je sais pas, c'est combien le multi, c'est peut-être 4 joueurs maxi à mon avis. 4 joueurs, ça pourrait être pas mal. Enfin, moi je dis, Armello, il y a pas mal de monde qui l'aurait avec le Humble, oui et non, parce qu'il est à 12$, donc c'est pas non plus tout le monde qui va prendre le pack maxi, enfin le plus gros pack du Humble en fait. En plus c'est cool, il y a The Warlock Fire Top Mountain aussi en Pay What You Want. Et ça il est vraiment cool. Hein. C'est d'autant plus cool si quand vous étiez gamin vous avez joué au livre dont vous êtes le héros, le sorcier de la montagne de feu quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il est déjà passé dans le Humble Monthly, ouais, exact. Putain, il fait quoi celui-là? Affaire Extra Bolats. Ah bah ouais, carrément. Carrément que je me sens. Donc là, si je fais ça, boum, je vais avoir des boulettes en plus. Mince, j'avais pas lu ton truc sur le coffre. Bah, j'ai dû le rater, non? Voilà, c'est le boss là. C'est le boss. Rip le coffre discret. Bah, ouais, désolé. J'ai juste de lire. Hein. Enfin, désolé. Surtout pour moi, quoi. Il faut pas crier comme ça, monsieur. D'accord. Ouah, franchement. Ouah, c'est la fin. C'est complètement la fin. Ah, c'est la ville finish de 3440. Bon, du coup, j'ai débloqué plein de trucs en fait. New Unlock Library Secrets, Planar Seals, Hard Mode Altar, Temple of Kree, Grave of Time, ok. Scat, il a peut-être blindé de contenu ce jeu. Il a l'air d'être vraiment, vraiment blindé. Un gobelin pharaon, là, ouais. Ah, y'a un autre of the tu disais le Greater Challenge, ouais. Non, on va pas faire un Greater Challenge, on va continuer à faire des challenges tranquilles. Ah, je peux jouer avec lui maintenant. Cool. Cool, j'ai débloqué un nouveau perso. Confusion, Bring Pain, ok.
After death, in the crowd, some of his thoughts run secret, so... Ah, ok. Donc ça, c'est les... qu'est-ce que c'est? J'ai fini les mondes, en fait. J'ai fini les deux mondes, là. Mais 91 trucs, là? Oh, ok. Donc là, le bestiaire, ouais... Là, les objets... Ok... Les 5 HP dans le coffre, rit de toi. Ah, c'est vrai que s'il y avait eu des HP dans le coffre, effectivement... ça aurait tout changé, ouais. Waouh, mais d'accord, ok, lui là, il commence pas au même endroit. Lui commence ici. D'accord. Ah, c'est cool ce monde-là, je l'ai pas encore fait, donc... Ah, t'es fou! Ok, donc ça c'est le mode hardcore, hein. Donc non. Donc l'hôtel, on va le laisser comme il est, hein, tranquille. Mais en tout cas, le jeu, pour l'instant, je trouve vraiment super sympa. Hein. J'étais assez... J'étais vraiment perplexe, là, pour le coup, de l'auto-aim, hein, le fait que ça tire automatiquement sur les ennemis aux alentours. Hein. Mais finalement, ça marche bien, en fait. C'est vrai, comme ça, tu peux te concentrer sur les esquives de boulettes d'ennemis, quoi. Alors, plaque damage, 30%, ok. Ah oui, du coup, maintenant, je lance des plus grosses boulettes. Quoi. Ouais, plague damage 130%, donc j'imagine ça fait des... ouais. C'est ça qui fait que je balance des plus grosses boulettes. Hein. Merde. Qu'est-ce que ça fait ça? Hein? Ok, ça fait fuir les monstres en fait. Hein. Alors après, je sais pas trop si je suis sur la ligne du bas parce que j'ai pris ce personnage là, ou alors si c'est random au début, donc enfin... Attends, elle fait quoi celle-là? Launch this bullet, switch, entropy, damage, hardfire. Ouais, pourquoi pas. Autant le truc qui faisait peur, ça m'intéressait pas donc. Par contre, ouais, le dash, il est pas du tout invincible, hein, j'ai l'impression. J'ai pas envie que tu puisses dasher à travers les boulettes, quoi. Ça sert vraiment juste à t'en replacer, en fait, quoi.
Merde. Et puis ouais. Ok. Max HP plus 2, waouh! Par contre, moins de virgin HP et moins de move speed, c'est ça? Par contre, Max HP plus 2, ça c'est cool. Genre je me fais toucher à la fin quoi. Damage 0,25, c'est bon ça. Eh c'est trop cool le petit poulpin. Après les poupées ils sont trop cool mais ils ont la blinde de points de vie c'est quoi là quoi. Mais c'est vrai qu'en fait c'est marrant celui il est un peu français comme un shmup avec une hitbox vraiment petite hein, qu'on voit sur le personnage hein, qui brille en rose là. C'est assez rigolo. Mais en tout cas j'aime vraiment bien. Alors la DA elle est très particulière. Hein, Je me demande s'il y a des trucs cachés dans les décors des fois. Merde. Mais je fais exprès, ça fait plus. Ok. Après c'est dommage quand même qu'il n'y ait pas une mini-map. Attends, il fait quoi celui-là? Ah mais c'est un nouveau pouvoir en fait, d'accord. Faire damage plus 20%, red 1, cause un tube ring flame. C'est excellent! Ouah, du coup je me transforme en monstre. Trop bien.
Ah, du coup, ouais, ça m'a transformé en monstre. Hein. Blast Stone. Cool. Cool. Merde. Faut vite que je me barre. Hein. Sauf que. Ouais, à la limite, à la place d'une minimap, ça aurait été cool d'avoir au moins une indication de la sortie. Surtout quand il reste plus beaucoup de temps, quoi. Allez, le boss, c'est parti. Ouah, très bien, c'est que Toulouse le boss. Il est quoi dessus? Ah oui, dégâts plus 10%, très bien. Ok. Love is over. Alors, Grave of Time. Ah, il fait quoi dessus? Ah cool. Ah mais cool, c'est Grimoire qui tire aussi là. Ça fait plaisir. Voilà. Ah bordel, les ennemis qui sortent du sol. Hein. Ah, c'était une bouteille de poison que j'ai pas fait. Okay. Un gumball celui-là. Ok, cheapette. C'est quand même assez dur pour pas prendre de dégâts. Ouais, clairement, là, Cthulhu était vénère. Hein. Autant jusqu'à présent il y avait des boss qui étaient plutôt cool comme fond de vie, autant que Toulouse était pas là pour coller des gommettes. Hein. Alors c'est vrai, j'ai l'impression qu'il bouffe les cadavres, après je sais pas trop en quoi il se transforme s'il bouffe des cadavres, mais. À mon avis, ça va pas être très cool. J'ai aucune idée de par où faut que j'aille. Voilà, ça paraît pas mal. Ah, mais les flaques vertes. Hein. Ah, merci. C'est-à-dire, les flaques vertes, elles me. Putain. C'est-à-dire, les flaques vertes, elles me font pas mal, mais en fait, si. C'est pas bizarre quand même qu'il soit fait chier à faire des flaques vertes qui mettaient pas de dégâts. Mais c'est bon. Ouais, c'est ça, une minimap où je t'ai dit au moins, toi, quand
quand t'arrives à la fin du temps là, au moins avoir une indication d'où est la sortie, quoi. T'as une petite flèche qui t'indique genre la sortie elle est par là-bas, quoi. Après les niveaux ils sont pas non plus immenses, hein, y a pas de quoi se perdre, mais bon. Dit-il en étant perdu dans le niveau. Mais je sens quoi, cet environnement là il va pas être super cool. Hein. Plus 2 en max HP, ça c'est énorme. Putain, la potion de soin elle te refile 1 point de vie quoi. Enfin 2 parce que tu prends un demi point de dégâts quand tu te fais toucher quoi. La guerre par là. Merde. Point de vie, c'est une épée, machin. Là, je prenais bien un modificateur d'armes, mais. Attends, il fait quoi celui-là? Dégâts plus 0,25, faire extra belette. Ouais, c'est bon. On a pris la blinde de trucs là. Ah, mais les corps, on lui balance des lasers en fait. Ok. Pourquoi pas?
Ouais, si je préfère ça. Attends, c'était par où? C'était par là, je crois, la fin de zone. Hein. Non, perdu. Plus à gauche. Ouais bah très bien ça, on va te faire 10%, move speed 5%. Nickel. Il est cool ce démon rose hein. Attends mais mon épée elle fait quoi celle-là? Parce qu'en fait j'aime pas regarder. Ah mais c'est l'épée qui fait des lasers, c'est pas le démon en fait. Plus 0,7. Et celle-là elle fait combien? Bah voilà. Et je pense vraiment avoir des combos vraiment sales. Ouais. Merde, ouais, mais. Ah, max HP plus 1, Rate of Fire, c'est bon, ça. Alors après, je sais plus si j'ai des points de vie quelque part au star. Pas mal. Bon, on est bien là. Ah bah voilà, encore un point de vie par ici. Ah bah nickel, hop, on va pouvoir changer de zone tranquillou et on va pouvoir aller péter le boss. Ou se faire péter par le boss en haut choix mais. On va plutôt partir du principe que c'est nous qui allons fumer le boss. Hein. Alors qu'est-ce que c'est le boss? Ok, elle a pas l'air cool. Oh, je vais démonter la tête, quoi. Easy. Damage 0,4, move speed moins 1. Ok, bon, pourquoi pas. Bon, du coup, je suis un poil moins rapide, mais j'ai plus de dégâts, donc. Worth it. Oh merde, encore c'est.
Là, je m'étais dit qu'avec un peu de chance, j'aurais pu les chauves-souris de l'angoisse, mais on dirait bien que malheureusement si, troisième monde égale chauve-souris de l'angoisse quand même. C'est quoi ce nom? Rendas. D'accord, c'est une porte de mortier en fait. Ouais. Je ferai un petit laser. Hein. Merde. Oh, c'est pas bon, quoi. Mais purée, je vais pas me prendre 50 dégâts non plus là. Yep, regarde. Mousse 10%, ouais, pourquoi pas. Putain, mais c'est chauve-souris, j'en peux plus, hein. Elles sont juste beaucoup trop casse. Moi, ah, je vais me faire toucher bêtement là. J'ai quoi? J'ai 270 boules. Et ça, c'est quoi? Du speed? Ouais, mais j'ai une potion de soin donc. Comment es-tu, regarde? Ah mais d'accord, parce que je suis en haut, c'est pour ça que j'ai de nouveau les trucs de l'angoisse. Putain, mais pourquoi je suis pas resté en bas là? Dégoûté. Alors après peut-être que c'est random en fait les mondes, hein. Peut-être qu'à chaque fois ça prend soit en haut, soit en bas, j'en sens rien. Bon, pour plus tard, il y a des points de vie tout à gauche. Et d'ailleurs, regarde, je sais pas si tu l'as vu, mais on en parlait là, le nouveau Humble Bundle, il est vraiment cool là. Il y a des trucs très sympas dedans. Ouais, ouais, moi ça va bien. Et d'ailleurs, tiens, en parlant du nouveau Humble Bundle, donc, parce que j'ai vu qu'il y avait Armello pour le palier à 12$. Qu'est-ce que je voulais dire? Toi, tu l'as Armello de toute façon? Vu que tu me l'avais offert, j'imagine que tu en avais une copie aussi. Parce que du coup, avec le crime, on se disait que ce serait peut-être pas mal de faire une soirée multi pour le jeu en fait. Alors, je sais pas du tout quand, hein, évidemment. Mais non, non, pas le. Non, vraiment le Humble Bundle, pas le Monthly en fait. Celui, le dernier pack.
Du coup, vous voulez voir, vous voulez déjà voir jusqu'à combien de joueurs on peut jouer. Voir qui est motivé du coup, et puis il faut les organiser ça une soirée, ça pourrait être cool, hein. Bon, ça, j'ai pas mal de. J'ai des bons boosts à de dégâts quand même. Oh, je me suis vraiment pris dans le mur comme une quiche là. Ça m'intéresse moins, celui-là. Hop. Mais ouf. Avec Cassios, avant que le timer se mette en. On n'a pas besoin de dernier DLC. Bah non, je pense pas. On joue sur la version de base. Hein. Enfin, alors ça, hein, je me suis pas du tout renseigné, hein, je t'avoue. C'est le crime qui a parlé de ça tout à l'heure. J'ai pas. Hello, baby. Ça pourrait être cool, parce que j'imagine que personne connaît vraiment le jeu, donc ça devrait être relativement équilibré, on va dire. Enfin, équilibré dans le sens où tout le monde a fait n'importe quoi, merde. Oh, bah non! Implique-toi un petit peu, s'il te plaît. Mais je regarderai ça, parce que de toute façon, en plus, faut que je vois quand est-ce que. Bah, quand est-ce que je suis dispo pour. Quand est-ce qu'on peut éventuellement faire ça, parce que. Oh! Cool, j'ai pas un bouquin qui balance des lasers également. Si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas. Hein. Bah, je les découvre ce soir, mais. Sinon, je commence à avoir une bonne idée du. De ce que le jeu propose.
Mais non, mais ouvre les yeux! Ah, je sais que j'ai des points de vie à récupérer à gauche, mais... Ah, là y'a un boss. Max HP plus 1, très bien. Mais du coup, faut que j'aille récupérer les points de vie que j'ai laissés à gauche par contre. Il y en a par là normalement. Je sais pas si on a deux troupes, hein, mais... Voilà, ouais, tant pis. Hein. Je pense qu'il y en aura d'autres que j'ai dû laisser, mais c'est pas grave. Et le boss, la revanche. C'est lui qui m'a fumé tout à l'heure, je crois. Il me semble, hein. Mais... Ah non, c'est pas lui. Ah, peut-être qu'il y a plusieurs boss différents, alors. Je l'ai défoncé. Max MP plus 20. Bon, c'est pas mal ça. Par contre, j'ai du tour par tour. Ouais, ça je sais. Ouais. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah du coup là c'est le yolo total quoi, les mecs ils se sont dit oh, on s'en fout, on met pas de fond, on met dans l'espace. Max HP moins 1, oh les babas, les babas, les bâtards. Il aurait. Je regardais les films sur le glyphosate. Oh, je n'ai aucune idée de quoi tu parles. Oh, mais t'es niveau dans l'espace, il est perturbant. Ah, je vous avoue que c'est pas le meilleur niveau pour comprendre un peu ce qui se passe, mais
Mais du coup, ils ont même mis une sorte de tenture par devant, quoi. Mais bon, là, a priori, je suis dans le dernier monde du jeu, donc enfin, le dernier monde, j'en sais pas, il y a peut-être des trucs cachés après. Hein. Puis je pense que c'est typiquement le genre de jeu où il y a plein plein de choses à débloquer au fur et à mesure, donc donc à mon avis, là, je suis dans le dernier monde du run gentil, quoi. Ah mais non, mais quel est mon golo. Oh, on se calme. Hein. Ouais, j'ai vu que t'as répondu sur le chat, mais... Oh merde. C'était où? Voilà. Oh. Open Dev, ah oui, d'accord, ok. Earthfall a l'air d'être sympa, un survie en multi. Ouais, je vois pas ce que c'est. Bon, je t'avoue que survie ça me fait un peu flipper et en multi aussi. Après, je pense que niveau DPS, je peux défoncer le boss à mon avis. Donc, je pense que je vais faire là, je vais juste essayer de rusher vers la fin de niveau à chaque fois là. Bon, la particularité de ce twin stick shooter, qui finalement est pas en twin stick, c'est que ça cible automatiquement les ennemis les plus proches en fait. C'est pour ça que je vais aussi vite à passer d'une cible à une autre. Et du coup, c'est pas mal, ça, en fait, ça permet de se focaliser vraiment sur les esquives. J'étais vraiment mitigé au départ sur ce choix et finalement ça marche super bien en fait. Et sinon accessoirement j'ai une barre de mana en à gauche, hein, la barre bleue, qui me permet d'utiliser deux pouvoirs, donc le X et le Y là. Donc le X en fait ça me fait plus de tirs, enfin ça tire sur plus de cibles à la fois.
Et le Y, ça fait des boulettes en cercle autour de moi qui mettent qui mettent un dot sur les ennemis en fait. Et après dans le jeu, vous pouvez récupérer des reliques. Donc ça va modifier votre tir. Donc c'est pour ça que je balance des lasers. Ça va être un petit compagnon. Donc là, c'est un bouquin qui tire aussi des lasers. Ça a modifié mon personnage. Donc maintenant, j'ai le démon. J'ai le Red Demon Aspestone qui fait que j'ai des dégâts en plus. Je me déplace moins vite, par contre, je balance des boulettes en plus. Et après, ici, ça va être tous les trucs qu'on va looter en fait. Ça va être les objets finalement, qui sont les objets. Et là, je m'approche de la fin parce que je suis dans le monde tout à droite. Et sachant qu'il y a 4 niveaux par monde. Donc là, je suis à l'avant-dernier niveau a priori. Bon, sachant que le but à chaque fois, a priori, c'est juste de trouver le. C'est juste de trouver le portail de sortie. Alors après, vous pouvez fouiller un peu hein, pour essayer de choper des coffres, des trucs. Mais bon, là, honnêtement. Tellement bien au niveau des objets que merde, je pense que j'ai pas embêté, j'ai juste essayé de trouver la sortie. Oh la vache! Bon, on prend vite très très cher hein, par contre. Sachant qu'un peu comme dans les shmup, hein, ma hitbox c'est juste le petit point rose qui est au milieu de mon bonhomme en fait. Qui permet de faire des skills assez débiles. Allez, chez les blaireaux. Bon, a priori les boss de fin du coup là. Merde. Du coup, tu joues avec le compte, c'est ça. Earthworld. Ah oui, c'est dans le pack du Humble Bundle, d'accord. Ce jeu n'est pas Puff Exile, aucun intérêt. Yo, Tinkuza. Yo, win! Donc voilà, donc là j'ai débloqué encore plein de trucs, hein. Donc Giant Chess, Carcassus. Alors Carcassus, je pense c'est carrément un nouveau monde en fait. Alternate Endings, voilà, donc c'est bien ça. Endless Mud, I. Star Creep, Star Child Eyes, blah blah, machin. Ok, voilà. Le film Canada, what will happen to you, I know what. Ok, donc au début vous avez le choix entre les deux personnages là en fait, entre la fille et le mec en fait.
Sachant qu'après, bah, comme vous avez pu voir, swap player. Ah, mais j'ai. Ah, bah là, j'ai Aïe aussi maintenant. Là, il fait quoi, Aïe? Il a qu'un point de vie. Il fait plus de dégâts, il se déplace plus vite. Et il balance des. D'accord, il tire des lasers de base et il peut être entouré par des ennemis qui tournent. Mais bon, il a qu'un point de vie, quoi. On va essayer de faire on va essayer de faire une gamme avec le Poulpi, parce qu'il est rigolo. Oh, c'est quoi ça? Ah non, j'ai lui aussi, quoi. Ah, j'ai Starcrip. Alors lui, par contre, il est blindé de points de vie. Il commence avec 2 PHE, là, là, go somewhere else. Organs can't go in. Oh merde! D'accord, alors lui en fait c'est Starcrip, Pierce Piston. Le problème c'est qu'a priori il peut pas avoir d'organes. Donc les organes c'est tous les boosts qu'on a vus que j'avais tout à l'heure en fait. Mais du coup il y a l'air d'avoir la blinde de choses à débloquer, hein, vraiment. Donc ça c'est tous les organes que j'ai qu'on chope. Donc les organes c'est l'équivalent des objets, hein, tout simplement. Donc les stats du jeu, voilà. Ah, il y a 10 persos différents. Et donc il y a 8 mondes différents apparemment. Donc là c'est les différents tous les différents mobs du jeu. Ici c'est quoi? C'est oui, c'est tous les trucs à débloquer. Voilà, ça a l'air de faire une petite gamme avec, avec Poulpi. Bon, sachant qu'avec un point de vie, ça risque de faire un peu mal, quoi. Et puis, bah, de toute façon, je pense que dans l'entraînement, parce que comme j'avais dit, enfin, je sais plus si j'avais dit, mais en gros, après, je vais aller faire du Rocket League avec Spoons. Parce que là, il y a l'update de, il y a l'update d'Halloween, donc il y a plein de conneries à looter, donc, voilà. Et sinon, et avant que j'oublie, demain soir, donc 22h, découverte de Sam, un jeu auquel je vais jouer depuis un bout de temps aussi. Et jeudi en fait, donc j'ai pas encore modifié sur le planning, parce que c'est pas encore sûr, mais j'ai discuté avec Alex, avec Power Umi, et il me disait qu'ils vont peut-être réussir à sortir l'Early Access jeudi. Ils attendent la réponse de Steam, donc y a rien d'officiel pour l'instant, mais avec un peu de chance, ils sont en Early Access, donc si c'est le cas, bah, je jouerai à Power Umi jeudi, quoi. Voilà. Et après du coup, vendredi, pas de stream, mais par contre, ouais, samedi après-midi, tout l'après-midi normalement, genre de 15h à 19h, 15h-19h, du Warframe en espérant que les plaines soient réparées. Et du coup, à 15h-19h, parce que le matin, j'ai stage de bataille. Et ça va être cool, on va mettre des gros coups de genoux et des gros coups de coude à tout le monde. Et dimanche, peut-être stream dans la journée, mais pas encore sûr. Ça c'est pour avoir le mode le hard mode en fait. Si vous activez ça, le jeu devient plus dur a priori. Mais en tout cas, le jeu il est super cool, hein. Honnêtement. Il file better, donc c'est sûrement une potion de soin. Hein. Péter le hard mode. Ah bah attends, déjà que j'ai qu'un point de vie, c'est déjà un peu du hard mode. Hein. Ah, c'est déjà le beau jeu là, j'ai qu'un point de vie. Ah oui, c'est vrai que lui il peut faire ça. Donc les organes, vous voyez, hein, ça se met, c'est vraiment comme des objets, hein, tout simplement. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment d'objets, de mauvais objets en fait. Il y a des trucs qui vous arrangent pas forcément, qui vont par exemple baisser un peu votre vitesse. Mais si ça fait ça va faire des dégâts en plus, ou des attaques speed en plus. Il n'y a pas de trucs qui sont foncièrement mauvais. Alors c'est vrai que la plupart du temps dans les roguelikes comme ça, il y a toujours des trucs un peu de la loose. C'est quoi ça? Merde, 50, bah j'ai pas assez de toute façon, tant pis. J'avais aimé savoir si ça faisait ça par contre. C'est le cube, je crois pas que j'ai déjà eu.
Alors ça, je sais pas si ça fait ça, Perform Rate of Sanctification. Ah d'accord, il y aura un Blood Feel Hot en fait, c'est... Ça ralentit les boulets d'ennemis apparemment. Les dégâts en plus, vous voyez là par exemple j'ai de la vitesse en moins mais les dégâts en plus quoi. C'est pour ça que je le dis, il n'y a vraiment pas de... Je pense pas qu'il y ait de mauvais... Il n'y a pas de mauvais objet quoi. J'ai tellement failli mourir là. Yo, t'as ça. Ça, Black Bullet, Ability Shot, ok. Bah du coup, je passe à des... Ah du coup je sais pas si ça marche ou pas, c'est des lasers que je balance. Bizarre. Le streamer le plus unskilled du monde. T'es fou, t'as ça, j'ai déjà terminé le jeu une fois là. Et d'ailleurs en parlant de terminer le jeu, j'ai aussi terminé tout à l'heure... J'ai terminé tout à l'heure Omega Strike également. Elle est bien sympa, ouais, Omega Strike. Omega Strike, vous savez, c'est le Metroidvania que j'ai streamé, c'était la semaine dernière, je crois. Où on peut switcher entre trois bonhommes là. Et du coup, ouais, je l'ai terminé tout à l'heure, et ouais, sympa quoi. Ça fait le taf. C'est quoi celui-là? Black Bullet. Ouais, pourquoi pas. C'est que je vais être facile. Obviously. Alors, du coup, j'ai où je vais là-haut, ok. T'es dans des points de vie, les champis, là. Et au fait, t'as ça, t'es où là? T'es à Paris? Enfin, j'imagine que la OVH machin serait à Paris, mais...
Ouais, c'est quand même cool ça. Ouais, à Paris, d'accord. Du coup, tu squattes chez Mega Damage ou... Oh, y'a un super coffre! J'avais même pas vu. Y'a, oh, pardon. Ah, c'est... J'aurais jamais dû dire que je l'ai pas vu. Vous allez vous moquer parce que le coffre, il fait la taille de l'écran. La mousse-pine et du red spare en moins. Hop, ouais. Je suis dans un hôtel, c'est les frais de déplacement pour la boîte, ouais. Ah, c'est la mort. Zut. Ah là, j'étais tellement enfermé là. Triste. Hein. Très stress, du coup, tiens, je vais tenter un hard mode, allez. Ah, je suis parti avec les poulpies. Mais j'avais pas vu, mais en fait les trucs ils ont des ranks en plus là. On peut se stack en fait là. Moche. On va attendre que les feuilles passent hein, parce que là. Mais au fait, on l'a pas trouvé le truc pour le hazmat, hein. Mais non.
Mais on n'a pas vu de. J'ai pas eu le truc pour. C'était au niveau 1, non? À chaque fois que je les ai trouvés, les trucs là, les activés, non? Oh, mais non. C'est quoi ça? Oh, j'ai jamais eu ça. Filtering a Ok. Ah mince, mais par contre, du coup, les projectiles vont être plus longs alors. Bizarre. Ah, ils sont plus lents, par contre, ils font des sacrés dégâts. Quoi. Bon, bah, je crois qu'on a pas trouvé. J'ai pas trouvé de truc pour le hard mode, non? Je crois que c'est vraiment des espèces d'hôtels en fait, c'est les chances de pop en fait, tout simplement. Je pense que les IC machins avec un bon fair rate, ça va être une boucherie quoi. Oh mais non, je suis trop bête. Ils font quoi ce truc-là? Ouais, on va peut-être prendre plutôt ça quand même parce que... C'est des trucs de glace qui mettent 10 ans à taper, c'est... J'ai dû dire que t'avais pas le cran, ouais, je crois, hein. Clairement. Hein. C'est vrai que le jeu il me l'a proposé deux fois, les deux fois j'ai dit non, voilà. Oh.
Allez, go le boss. Ah oui, c'est que Toulouse le boss alors. Ah putain, puis tout, il est vénère. Mais ouais, Toulouse, il est pas trop là pour coller des gommettes quand même. C'est quoi celui-là? Ok, c'est une explosion, bon, très bien. En fait, du coup, j'aurais presque dû. Oh, c'est à toi. Mais là, je suis pas terrible, hein. Autant tout à l'heure là j'avais un DPS complètement crack, ça. Autant là j'ai pas looté grand chose, hein. Ouais, je DPS moule, hein. En tout cas, le jeu il est vraiment super sympa. Hein. J'aime beaucoup. Oui, il passe deux fois dans le flac d'acide, hein, pour être sûr. Ouais, j'avais comme qui dirait l'impression que je vais bientôt pouvoir aller jouer à Rocket League. Hein. Je vais essayer d'aller choper C'est quoi ça? Ah, c'est un mob qui est bloqué dans le décor, ok. Tu vas voir le marchand? Attends, c'est quoi ça? Simmer, move faster, fan exit portal. Ah mais oui, c'est juste que ça... Ouais. Alors comment on y va? Bah voilà, ok, très bien. Il quand même là pendant 3 secondes. Hein. Pff, ouais, non. Ouais, ouf. Mais c'est vrai qu'en termes de DPS par rapport à tout à l'heure quand je suis arrivé à ce niveau-là, c'est... Mon personnage est ridicule, quoi.
tout à l'heure j'implosais le monde entier, là. Là, je suis un peu plus comme une victime, là, quand même. Max HP moins 1, mais non, mais tu te moques de moi le jeu là. Je suis bien en train d'en chier et en plus il met des bâtons héros quoi. Aïe. Je crois pas qu'on l'ait vu le portail de sortie en plus. Hein. Bon, le portail est là, c'est con, j'ai des points de vie en bas, mais... C'est quoi ça, non? Excellent. Et hop, cassos. Aïe. Mais en tout cas, il est vraiment très très cool le jeu. J'arrive vraiment plus à me rappeler pourquoi j'y ai pas joué à l'époque. Je pense le plus problème en fait, c'est qu'on n'avait pas dû recevoir la clé. Et je m'étais dit, je vais attendre un peu, je le prendrai après, et puis finalement, je l'ai jamais pris.
Ah, cool, un coffre. Fais une place, dis l'extra damage, ok. Là, tu as appris que le tir de la moitié c'était repoussé. Alors, ça, je m'en rappelais plus quand j'ai lancé le jeu, mais effectivement, ça m'est revenu après. J'avais vu Shokai jouer et il en avait parlé. Et effectivement, ouais, ça m'est paru bizarre comme choix. Ah non, mais les gros coffres, c'est les gros coffres, hein, y a pas. Allez, le boss, go. Ouais, dégâts plus de rangement. Ouais, je me speed un peu hein, vu que. Oh, on l'a jamais vu ce monde-là! Cool! Ah, je peux me soigner. Ouais, on s'en fout du soin. Ouais. Il est un peu trop easy pour toi ce jeu. Bah ouais, mais là j'aurais bien tenté un hard mode, mais le jeu a pas voulu me le faire proc alors. Non, non, c'est pas ça que je vais faire. Mais je pense que je ferai quand même une petite critique sur Game Save Story et je pense que je mettrai en rapide critique là. Ou speed, ouais. Parce que j'aurais la flemme d'écrire un test complet, mais souvent le jeu il a 2 ans donc c'est un peu tard pour écrire un test complet du jeu quoi, mais en rapide critique ça peut passer quoi. Par contre, par rapport à tout à l'heure, j'ai vraiment pas de points de vie quoi. D'ailleurs, je suis arrivé à la fin, j'avais la blinde de points de vie.
Là j'en ai juste 4. Là j'ai une moustique par contre là que le perso qui est complètement pété quoi. Ouais un petit peu de dégâts, ça fait pas de mal. Oh, c'est pourri ça. Ouais, on a dit que je n'aime pas trop. Ça pour ça, merci, je viens de payer 300 pour finalement reprendre ce que j'avais avant. J'ai pas l'impression de m'être fait racketter, toi, bien. Je vais partout là ou pas, non? Ah, le cube! Qu'est-ce qu'il fait le cube? It's a basic function on clear. C'est con, ça sent le truc secret ça. Il est trop tard mais pour la faire et ça. Les parages, si, si, plus ou moins, ouais. Après, le truc, c'est vu que j'ai pas trop de points de vie, je fais attention quand même à pas trop rush parce que c'est un coup à mourir avant la fin en fait. C'est dans ce jeu, on se prend quand même vite des dégâts en fait. Hein. Ah, je me balance de laser. Ouais, je crois que c'est là en fait. Hein. Merde. Surtout que j'ai tellement de no speed là, c'est un peu con, mais c'est du coup presque plus dur d'esquiver les trucs quoi. Alors j'ai pas prêt à esquiver merde, toutes les boulettes qui me ciblent. Mais celles qui sont déjà à l'écran, j'ai une forte chance de rentrer dedans en fait. Y'a Pyong. On l'a jamais vu lui. Amon Morax. Oula. Oh.
C'est quoi celle-là? Oh merde. C'est du poison. Max HP plus 1, bah ouais, mais bon. Ouais, dans le même monde. Ton perso a l'air un peu broken, non, non, non. Bon, en vrai, il est pété, mais tu peux mourir vite aussi. Hein. Surtout que là, j'essaie de rusher un peu pour essayer de boucler, aller faire des Rocket League. Hein. Mais la preuve, c'est que j'ai rempli de points de vie, c'est marrant. Hein. Deux points de vie pour le boss de fin, ça va être, ça va être compliqué. Mais non, mais quel con! Ouais, plus de dégâts. Toujours plus de dégâts. Putain, j'ai fait me prendre des dégâts avec des boulets qui étaient déjà à l'écran, quoi. On l'a pas vu pour ça les sorties là, il est bah, a-t-il plaisir de remporter les sorties s'il vous plaît? Non mais merde! Là, je suis pas concentré là. Ah ouais, voilà. Je prends tellement des dégâts qui ont pas lieu d'être. Hein. C'est pas c'était stylé, ouais. En même temps, tu as jeté l'item de soin. Ouais, je sais, je sais, je sais. Tu veux me faire pleurer en disant ça, hein. Après, l'item de soin, il coûtait vraiment cher, hein, parce qu'il prenait 50 points de magie. Pour me soigner dedans, quoi, sachant que j'ai 70 points de magie. Mais ça, contre le boss, je pense que ça aurait été complètement pété le truc de soin. C'est sûr, contre les boss, merde! Contre les boss, tu régènes facilement le mana et. Et je pense que j'aurais été plus ou moins. Thank you.
Allez, on a un niveau. Allez, zou. Bon, on a complètement rushé le boss. Hein. Salut mec, bien ou bien? Ah bah non, bah du coup... Je croyais qu'il y avait trois formes. Ah, une nouvelle forme. On n'a pas eu celle-là tout à l'heure. Effectivement, je viens de débloquer la forme numéro 2 là. Quel jeu de casu. Alors, Scientist, ah, je pense à un nouveau perso, c'est cool. Hungry Heart, Fatal Thing, Game and Learning, nanana. Ah ouais, du coup, j'ai un nouveau perso. Moi, je suis 10%, Drink Something for Science. Chemical Session Base. Ah, du coup, elle peut savoir ce que font les potions, apparemment. Et après, je sais pas ce que c'est à côté le bois. C'est quoi les autres trucs que j'ai débloqués? Bon, ça c'est les ennemis. Ouais, voilà. The gun is noble. Ah oui, d'accord, c'est les nouveaux. Ok. Ce sont des nouveaux organes qui peuvent apparaître, ok. Ok. Bon, et bah du coup, moi je m'arrête là, mais en tout cas, c'était vraiment super cool, Devstat. Hein. Espion, sub 5 minutes, j'ai bien piffé, il est combien là? Ah, soit il dort pas beaucoup, hein, vu qu'on peut rusher 4,42, voilà. Bah, vu qu'on peut rusher quasiment tout droit. Par contre, le mec il joue tout seul, quoi. Avec Starcrypt en plus. Bah, Starcrypt c'est le mec qui. Oui. En fait, c'est un peu logique, Starcrypt. Parce que Starcrypt c'est le. Vous savez, c'est le perso. Qui commence en fait avec des stats élevées. Il a plus de points de vie, il a plus de dégâts. Et le truc c'est qu'il peut pas avoir de. Il peut pas avoir d'objet quoi. Donc du coup tu rush quoi. Bon donc en tout cas ouais des stats vraiment très cool. Alors assez particulier au départ hein, le fait que ça tire automatiquement sur la cible la plus proche. Mais franchement, ça marche super bien. Et puis il y a un petit côté, shmup avec vraiment ouais, la hitbox minuscule, esquiver les boulettes et tout. Vraiment très cool quoi. Très très content. Donc voilà, un jeu vraiment super sympa. Ouais. Allez, sur ce, moi je m'arrête là. Donc bah, des bisous tout le monde. Et puis je vous dis bah, demain soir, 22h pour du SAM, le jeu de speedrun. Un jeu auquel je joue depuis un moment. Donc voilà. Allez, des bisous, bonne nuit.